Souvent la question de savoir ce qui caractérise la pédagogie d'une lab school et en quoi notre pédagogie est fondée sur la recherche. Et c'est un ensemble de choses qui, en soi, prises isolément, ne sont pas forcément innovantes. D'ailleurs, l'idée n'est pas de réinventer ni l'eau tiède ni la poudre, mais d'instaurer de manière systémique et de manière cohérente tout ce qui peut contribuer à rendre les apprentissages plus efficaces. Alors, le plan de travail, c'est une feuille de route qu'on établit pour chaque enfant individuellement. Donc, chaque enfant a sa feuille de route propre dans laquelle il y a jour par jour des conseils, des idées, des pistes d'exercices, d'entraînement à réaliser sur toutes les matières vues le matin à l'école. Et de projets personnels développés par chaque enfant. L'enfant choisit par quel exercice ou par quel projet il commence, et l'objectif c'est qu'à la fin de la semaine, puisque les plans sont hebdomadaires, ils aient réalisé l'entièreté de leur plan de travail. C'est un moment qui est ritualisé. Chaque jour, il y a un moment pour réaliser son plan de travail. Et à ce moment-là, il y a une grande liberté dans la classe, puisqu'on choisit par où on commence et on doit aller dans les différents lieux de la classe, les centres de ressources, pour trouver les exercices, les manuels ou la ressource qui va pouvoir nous aider pour réaliser nos exercices ou nos projets. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est le système des ceintures qui vient de la pédagogie institutionnelle. Donc, les enfants, en fait, savent qu'il y a différentes ceintures par type de matière. Donc, c'est comme des ceintures de judo, sauf qu'elles sont appliquées à la conjugaison, à l'orthographe, à la géométrie. Et les enfants, en fait, s'entraînent pour passer une ceinture qui correspond à un type de compétence. Et quand ils ont réussi leur ceinture, quand ils ont réussi les exercices, ils passent la ceinture. Si le test est positif, ils peuvent s'exercer pour la ceinture suivante. En fait, c'est une ceinture où on a des exercices. Bon, je vais pas regarder derrière. On a des exercices pour juste plusieurs exercices. On les fait sur le cahier. Et puis après, si on a derrière, il y a la réponse. D'accord. Et si on a trouvé bon, par exemple, si on a eu que 3 fautes ou 2 fautes, on peut faire un test pour la passer. Et quand on l'a passé, on colorie notre ceinture. Et le but, c'est d'avoir le plus de ceintures possible. Ça développe beaucoup l'autonomie, ça développe aussi la coopération, parce qu'il y a certains projets, par exemple, qu'on peut faire à plusieurs. Et parce que, puisqu'on n'est pas chacun une place forcément dédiée, on est peut-être à côté d'un plus jeune qui aura besoin d'aide et qu'on pourra aider. Et puis également parce que on doit travailler tous ensemble et respecter le fait que chacun a des besoins particuliers. L'idée aussi, c'est vraiment de respecter le rythme de chaque enfant. Et donc c'est un temps en fait où les enfants peuvent vraiment répondre à leurs propres besoins, aller à leur rythme, et où nous, en tant qu'enseignants, on est vraiment à leur disposition pour travailler avec eux de façon vraiment individuelle et adaptée. C'est un 0 là ? Ah oui ! Oui, on dirait un 6, attention. C'est super, tu te corriges pas même. Ça roule là ? C'est impeccable. C'était trop facile ça ? Non, ça va, ça va.
La mise en place du bilinguisme à la Lab School s'appuie sur un modèle qu'on appelle l'immersion réciproque dans les travaux de recherche. L'immersion réciproque, c'est le fait d'être toute la journée en milieu naturel, autant que faire se peut dans une école, anglais et français en même temps. Donc ça implique par exemple que pratiquement tout ce qui est dit en classe est traduit, dit en anglais et en français, soit par les enseignantes, soit par les enfants. Dans les temps d'enseignement formel, les cours sont faits en français et en anglais, avec une traduction au moins pour les mots importants pour que les enfants disposent du vocabulaire dans les deux langues et puissent faire des liens en fait, entre le langage. Des œuvres qui peuvent être étudiées le sont dans les deux langues, souvent quand il y a une traduction, par exemple Harry Potter ou Tom Sawyer, ce qui induit beaucoup d'activités très intéressantes de comparaison entre les structures linguistiques, la syntaxe, voilà, ce genre d'activités peuvent être mises en place. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans des situations de communication authentique par rapport aux derniers aspects didactiques de l'enseignement des langues, c'est vraiment la communication naturelle telle qu'elle se fait dans deux langues. It takes too long for people to actually leave their computers, leave the books. I mean, we have to remind a few people about 5 times to put their books away. And it should just happen once to us to actually say you need to put the book away, that's it. But some people take too long. Je vais juste réexpliquer en français. Il y a des personnes qui prennent beaucoup trop de temps à suivre les instructions. Quand on vous dit qu'il faut ranger, en fait, on en a souvent, et c'est toujours les mêmes, qui sont avec les livres et qui restent avec les livres, qui nous ont très bien entendus, parce qu'ils n'ont pas de problème d'ouïe, mais qui sont toujours en train de lire. Et ça, c'est important, en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde. Après, on n'a pas le temps de lire le passage, par exemple. Le bilan, on le fait rapidement parce que du coup, c'est déjà là. Donc c'est important que tout le monde y mette du sien. Il remplissait son bidon, puis laissait le temps à Stanley de boire longuement et le remplissait à nouveau jusqu'au bord. Fortunately, Mr. Pendesky delivered the water more often than Mr. Sir. Mr. Pendesky was obviously aware of what Mr. Sir was doing. L'enseignement bilingue ou plurilingue a été assez étudié depuis les années 70 notamment, en particulier dans les régions frontalières en fait, où les gens parlent naturellement plusieurs langues, ou dans les pays qui disposent de plusieurs langues officielles. Il y a des travaux assez anciens dans les années 70 en Italie notamment, qui montrent en fait l'intérêt de l'apprentissage, de la stimulation par les pairs, c'est-à-dire tout l'intérêt à ce que les enfants se parlent entre eux dans les deux langues. Donc ça, c'est assez intéressant. Christine Hello aussi, qui est une chercheuse du côté de Strasbourg, évidemment, région frontalière, a fait des travaux vraiment intéressants sur la classe multilingue. Et puis une chercheuse plus récemment, Claudine Broy, qui a aussi repris et fait un certain nombre de synthèses de ses travaux sur lesquels on s'appuie nous pour mettre justement en place cette immersion réciproque, hein, qui est le modèle de la classe, où on parle en français et en anglais toute la journée, enfants et enseignants et intervenants. Very tired when I woke up. J'étais très fatiguée quand je me suis levée. Deuxième question, qu'est-ce qu'un poilu? Second question, what do we call in French a poilu? Okay. In the battlefield, there were no water to shake. Normally, the translator was so that the French speaking people that knew already a bit of English, who were advanced, could practice their English by translating what the teacher said. And I think this school is actually really good for them because it will help them to learn, because we speak loads of languages here, so. Ready, steady, go! C'est pas de la barbe, mais c'est un autre mot. Elle qui signifie de la barbu. Non, c'est une moustache. Oui. Bravo. Très bien. Non, il peut courir à travers. Mais non. Non, on va faire quelque chose. Des bonbons. Comment ça se fait? Dans quelle ambiance? Où? Une boue. Avec de la zik. Oui. Non. Elle peut pas dire oui. Quelque chose. Une boue. Une boum. La danse. Non, oui. Stop. Ouais, de la danse. Ça dit... C'est parti. Oui. Ça miaule. Un chat. Voilà. C'est bon. Bravo. C'est pas miaulé.
Ah bah bravo. Parfait. Comment était imaginé le tabou et quels sont les objectifs de ce dispositif? Alors c'est assez simple, le tabou a été imaginé pour permettre aux enfants d'aborder les maths d'une autre manière, et notamment en mettant la place, l'accent sur le langage et la communication, donc, et la construction collective des connaissances et des concepts. L'idée en fait est de partir des représentations des enfants, donc de leur demander par rapport à un concept quels sont les mots qu'ils trouvent reliés, et d'essayer de faire deviner un concept, donc à la base d'une carte en fait, donc un mot, par exemple le mot rectangle, tout en évitant les mots interdits, les mots tabous donc, qui sont inscrits sur la carte. Alors c'est un jeu assez simple, hein, c'est un jeu qui existe dans le commerce, mais l'idée est que les enfants construisent eux-mêmes ces cartes et donc travaillent en profondeur sur quels sont les concepts reliés au concept de rectangle. So, we're going to have to create a word bank of words related to math. Who could give me an example of word that we could actually connect to the word math? Anna. Une calculette. Une calculette, super. Égide. Compas. Compas. Élie. Multiplication. Multiplication. Des opérations. Opérations. Il y en a pour tous, c'est pas. Eurydice. Compter. Compter, super. Rohan. Fraction. And so this week we actually played Taboo, so that's a famous game using vocabulary and synonyms and working with synonyms and antonyms. So we played the first time we played together, and we played the real game in both languages. So we've got the cards here just to show. And what we did after that, so we did a feedback on the game. What is the purpose of the game? How is it helping us making connections between words? So for example, if you've got magic, what do you relate it to? What kind of words do you think about if you just look at one word? And so what we asked them to do is, on the theme of maths, we asked them to create their own cards. So basically we did a mind map of all the words that we could think about math, and they started creating their own cards. So we've got decimal numbers, for example, and they did it in both languages to make sure that everybody could play. Donc, par ailleurs, en fait, ça s'appuie aussi sur les travaux de Britt-Marie Barthes qui concernent la conceptualisation, et donc aussi sur les travaux d'Olivier Houdet en sciences cognitives sur le contrôle de l'inhibition. Le contrôle attentionnel et l'inhibition, c'est-à-dire qu'on va inhiber certains penchants à exprimer des idées, mais parce qu'à l'aide du tabou. Et de même, en fait, en construisant les cartes, ils construisent eux-mêmes, reconstruisent les concepts. L'intérêt aussi, dans le cadre d'une classe bilingue du tabou, est de pouvoir travailler à la fois en anglais pour les bilingues en français, mais aussi constituer, par exemple, un exercice d'anglais, jouer au tabou en maths en anglais, bah, c'est faire de l'anglais. Donc on travaille sur la communication inversement. Et donc ça permet pour des élèves qui, par exemple, sont en délicatesse avec les maths, de travailler les maths autrement, en fait, de ne pas faire des maths, mais en réalité d'en faire. En fait, des fois, on apprend des choses sans s'en rendre compte. Donc dans les jeux, des fois, on y joue, mais on ne voit pas trop qu'on a appris, mais des fois, on apprend, ou des fois, on n'apprend pas, on révise. Un intérêt très profond, c'est de travailler sur l'empathie. Quelle est la représentation du concept pour l'autre? Par exemple, dans le cas d'une classe multilingue, c'est un élève de CM2 qui essaie de faire deviner un élève de CE2 et est obligé de repenser à qu'est-ce que c'est un élève de CE2. Donc en fait, il est obligé de retravailler en profondeur les concepts. Et là, on retouche aux travaux de Craig et Lockhart sur la profondeur de traitement de l'information. Et donc c'est quelque chose d'assez puissant, puisqu'en fait l'enfant va mobiliser des tas de connaissances, les soft skills aussi, donc ses compétences psychosociales. Donc c'est vraiment une pédagogie qui est complètement propre et intégrée à la Lab School. Donc cette idée de travailler ensemble en classe multiniveau, bilingue, travailler collectivement. Donc ce tabou présente en fait, quand je l'ai pensé également, il s'agissait aussi de créer en fait à la fois un outil pour les enfants, de construction d'apprentissage, du vivre ensemble, de la manière d'aborder les maths autrement et avec le plaisir, mais aussi un outil pour les enseignants. Donc en fait, il s'agit à la fois d'un outil didactique, un outil pédagogique qui permet de travailler autrement les cours, par exemple. Donc en fait, synthétiser un cours, ben, ça peut être fait
ensemble, collectivement, ou par petits groupes, ou par l'élève chez lui, en mode classe inversée. Il recherche lui-même, il fait une fiche tabou sur le nouveau concept qui a été vu. Donc ça permet une multiplicité des postures, et ça c'est essentiel dans l'enseignement des mathématiques. C'est-à-dire que l'enfant il doit être en position de recherche, en position d'activité. Ça peut être un outil, par exemple, quand on va aborder par exemple le triangle isocèle, on se souvient alors quels sont les concepts, les cartes tabous qui ont été créées. Ah, donc le compas, les côtés, ok. Et ça peut permettre d'activer des souvenirs, d'activer des connaissances de manière informel un peu et par un autre biais. Les divisions seraient pas fort avec la multiplication. Bah non, parce que soustraction. Est-ce que tu fais une multiplication dans une soustraction? Est-ce que tu fais une soustraction dans une division? Oui, je fais une multiplication dans une division. Opération. Opération, t'as pas le droit de mettre chirurgical. Opération. Ok, il faut que ce soit dur, il faut qu'il y ait quand même un challenge, mais pas trop. Parce que sinon, du coup, les personnes ne vont pas jouer, ne vont pas y arriver. C'est décourageant. Il y a un écran, il y a des touches. It's just, it just helps them recollecting and actually taking a step back on what they learn. So the idea is to transfer the skills that they actually worked on. So if we're working on geometry, we're going to work on triangles, and actually they can connect it to pyramids and something that we do in history. So the idea is to connect also doing multi-curriculum activities and just not target it on one subject, but just give it a whole to a big picture pretty much of learning. L'objectif de la mise en place de jeux était aussi de s'insérer dans la logique plus globale de l'enseignement à la Lab School, c'est-à-dire de faire beaucoup attention à la représentation, enfin le ressenti de l'enfant vis-à-vis de ses apprentissages, sa place dans la construction de ses apprentissages. Et en l'occurrence, la place importante accordée au jeu à la Lab School s'incarne dans ce jeu, bon, le tabou, mais s'incarne dans plein d'autres jeux mathématiques qui peuvent être mis en place. Et l'idée est notamment là de travailler sur le vécu disciplinaire, c'est-à-dire que comment l'enfant va vivre cette discipline. Et là, on s'appuie sur les travaux d'Yves Reuter sur la question et aussi sur la notion de conscience disciplinaire. Donc là, on retrouve la métacognition, c'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est en train de faire des mathématiques puisqu'on est en train de travailler une carte qui a trait aux mathématiques. Puis juste après, on va tirer une carte qui va être issue du français. Donc en fait, ça permet à la fois de conscientiser pour l'élève ce qu'il fait, ce qui est assez peu évident pour les élèves, notamment en difficulté. Et plus généralement, donc, avec l'apprentissage par le jeu et d'autres dispositifs pédagogiques qui sont mis en place à la Lab School, l'idée est de travailler vraiment sur les pédagogies actives. Donc en particulier pour les maths, donc on va souvent amener les élèves à manipuler. Le tabou là, les amène à manipuler intellectuellement, mais aussi verbaliser. Donc, et on retrouve le triptyque manipuler, verbaliser, abstraire. Et là, on retrouve en fait l'idée de l'axe de recherche diffusion des pratiques innovantes du LabSchool Network, c'est travailler quels peuvent être les leviers et les freins pour diffuser de nouvelles pratiques. Et donc pour ça, il faut outiller à la fois les enseignants, les élèves, comment on fait du lien entre la recherche et le système éducatif. Il faut effectivement des concepts permettre de les expliquer, mais il faut les incarner dans des outils pédagogiques et didactiques. Et c'est vraiment l'idée à la Lab School d'avoir cette continuité entre la recherche et la recherche appliquée, et la recherche appliquée et la pédagogie, et la pédagogie et les enfants. Je déclare le conseil ouvert. We're going to start with proposition Inès. Et du coup, il y a plein de manteaux. Du coup, c'est pas pratique. Mais si ils étaient bien faits, les manteaux, ça serait bien. Et ma deuxième chose, c'est que... j'ai oublié. Ça permet pas de pouvoir bien ranger ses affaires. D'accord. Donc, c'est pas grave de pas savoir ranger son manteau sur un cintre, mais on peut vous aider à le faire. Donc, venez nous voir si vous ne savez pas bien faire. En fait, le conseil, c'est un endroit où tout le monde est réuni et on peut discuter des problèmes qu'on a eus,
propositions qu'on a pour améliorer la classe ou de coups de cœur bah, pour féliciter des gens. Et aussi, on peut passer les ceintures de comportement. Soutenir la candidature de Raphaël à la ceinture jaune. Bah, t'es un très bon élève, tu lis toujours des mots corrects, tu dis jamais de gros mots et tu marches toujours dans la classe. Sarah? Bah, c'est vrai, tu me dis Phileas, tu marches toujours dans la classe et papa, tu aides papa à ranger. Bah, effectivement, il utilise des mots corrects, il court pas dans la classe, il lève la main pour parler. Et je me tiens en plus des autres trucs de la ceinture jaune, sinon je les aurais tout dit pour Raphaël. Il respecte le travail des autres. Ah oui, il aide à ranger. Il aide à ranger. Bah, moi, je crois que c'est tous les trucs qu'il faut faire sur la ceinture jaune. Bon, bah, je crois que... C'est accepté, hein. Alors, les conseils d'élèves par rapport à la vie de la classe, c'est fondamental parce que c'est vraiment l'endroit où vont s'élaborer les règles de classe et la vie de la classe. Donc, il y a plusieurs sortes de conseils. En fonction des âges des enfants, ça peut tout à fait varier. Et on peut, dans le cadre de conseils de classe, s'occuper de gérer des conflits. Souvent, c'est une bonne partie des conseils de classe. Et puis, on peut aussi proposer des choses de façon à organiser la vie de la classe. Et en début d'année, on peut s'occuper de mettre en place des règles qui seront les règles de la classe, voire les règles de l'école. Ensuite, il y a un conseil d'école avec toutes les classes qui vont pouvoir reprendre les différentes règles proposées par les enfants. Et donc, ce qui est intéressant dans les conseils de classe, c'est que c'est vraiment un endroit où les élèves ont la parole pour pouvoir gérer avec les enseignants, mais au même titre qu'eux, leur quotidien. Et on sait très bien qu'à partir du moment où les élèves ont la main mise sur leur quotidien et se sentent partie prenante, ils vont participer beaucoup plus à tout ce qui est vie de classe en général. Ça va favoriser par exemple les métiers d'élèves, mais également pour entrer dans les apprentissages, c'est beaucoup plus confortable pour les élèves de savoir qu'ils sont en sécurité dans leur espace qu'ils ont participé à mettre en place. L'occasion de faire des propositions et puis j'ai déjà eu un peu mis des problèmes parce que il y a un peu des fois il y a des problèmes mais qui sont rapidement réglés en fait. Mais moi je fais plutôt ça, mes propositions c'est plutôt pour améliorer la classe, pas pour faire des propositions de sortir dehors ou des choses comme ça. Enfin, c'est plutôt pour améliorer la classe. Moi après je vois souvent quand on fait des propositions, il est rare qu'on y voit des inconvénients. En termes de recherche, Maria Pagoni a travaillé sur les conseils d'élèves. Donc c'est une référence à aller voir de plus près. Il y a probablement également toutes les recherches qui ont été faites par l'équipe Théodile de Lille. Avec l'école Freinet qui a été mise en place il y a plusieurs années et sur laquelle un ouvrage est sorti à partir des recherches de cette équipe qui notamment met en avant la place et conseils d'élèves dans le cadre scolaire. Déjà la classe elle n'est pas tout le temps comme ça, on peut faire des améliorations, voilà, c'est sympa. Et puis, il y a des choses qui peuvent vraiment aider. Par exemple, mettre une étiquette rouge et vert sur les toilettes, ça peut vraiment aider parce que c'est très très dérangeant d'ouvrir et en fait, oh désolé, je savais pas que t'étais là. Et voilà, et en plus, on a un groupe, enfin, j'aime bien. En plus, le conseil, ça nous rapproche. Parce que... Bah, en fait, en travaillant ou en jouant dans la cour, on a peut-être souvent conscience qu'on a des amis et que bah voilà, on n'a pas trop l'habitude d'aller voir à chaque récré quelqu'un d'autre. Du coup, comme le quoi de neuf ou le conseil, on est tous ensemble et on peut discuter ensemble, voilà. Bah alors moi, coup de cœur à Ludwig, dans la classe. Bravo, moi je trouve que c'est une classe très agréable, que vous avancez bien, que vous travaillez bien, que déjà depuis le début de l'année, vous avez fait beaucoup de progrès en autonomie.
Il y a encore des choses à mettre en place, mais c'est normal. Et donc ça nous aide, nous, avec Pauline, à mieux organiser la classe pour vous aider encore à progresser et à prendre votre travail en main. Donc, coup de cœur. Thank you. Je trouve juste que c'est le conseil était vraiment une bonne idée des maîtresses, de la part des maîtresses. Ouais, c'est ça. J'aime bien aussi les coussins pour pas trop avoir mal aux fesses.